Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui une toute petite vidéo. J'espère qu'on n'aura pas trop de bruit parce que c'est la tempête. On est le 29 avril. Il fait vraiment très très mauvais. Donc j'envoie un petit courrier à une abonnée qui habite en Alsace. Il y a quelques jours, je vous ai mis une vidéo en ligne où j'ai présenté des découpes bois. Entre autres, sur ma vidéo, il y avait celle qui apparaissait du Puy du Fou. Et cette jeune femme m'a contactée, m'a laissé un commentaire et puis après on a échangé par mail, me disant que elle avait un projet de faire un album sur le Puy du Fou parce qu'elle était venue avec son mari et ses enfants et qu'elle avait fait faire des tampons chez Grimini Création. Et que si je voulais, elle me proposait de m'envoyer des tamponnages. Alors ben, je lui ai dit, ok, ça marche, je suis d'accord. Je lui ai dit, ben oui, mais moi, qu'est-ce que je peux t'envoyer? Et comme la découpe Puy du Fou en bois, ben, je ne sais pas pourquoi j'en ai recommandé une, parce que j'en avais déjà une autre. C'est pas grave, mais ben, dans le coup, je vais lui envoyer. Donc je lui ai préparé un petit envoi. Donc je lui ai fait une petite carte. Voilà, comme ceci. Alors, c'est la première fois. Alors, attendez, je vais mettre mon truc dessous là. C'est la première fois que je fais ce système où en fait j'ai tamponné, j'ai colorisé et après, avec un papier, avec du, vous savez, ce papier-là là, qui nous sert pour un post-it, on va dire. Je l'ai tamponné, j'ai tout découpé mon tampon. Je suis venue le mettre par-dessus mes tamponnages et j'ai retamponné ce tampon de fond. Et ben écoutez, quand j'ai commencé à faire ma colorisation, c'est la première carte que je colorise. J'étais très très déçue, je trouvais ça moche. Et puis tout compte fait, bon. C'est pas parfait, parfait, mais la colorisation, ça s'apprend, quoi. Hein. Les fleurs en elles-mêmes, ça irait, c'est plutôt mes verres. Bon, j'en ai pas énormément de feutre à alcool. Il faudrait peut-être que je voie en racheter quelques-uns. Donc voilà. Et donc, je lui ai mis mon petit mot à l'intérieur. Après, ben, je lui ai mis cette petite découpe-là. Oh zut! Cette petite découpe Puy du Fou, hein. Voilà, puis du fou, voilà, comme ça, que j'ai mis dans un petit pochette à vide, hein, pour pas qu'elle s'allume. Et puis, bah, bien sûr, un carnet. Je ne peux pas envoyer sans mettre un carnet. Donc, je lui ai fait un petit carnet tout simple. Hein. Voilà, ça pourra noter les listes de ses petites courses. Mais voilà, c'était une toute petite vidéo. C'était surtout pour vous faire un petit coucou. À bientôt. Bien sûr, cette vidéo, je ne la posterai que quand elle aura reçu ce courrier. À bientôt!